Salut à tous, c'est André. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un outil révolutionnaire qui est sorti il y a 15 jours, 3 semaines et que la plupart des blogueurs attendaient depuis des mois. Si vous cherchez un thème pour votre blog WordPress, si vous en avez ras-le-bol de vous plonger dans le code, que le code vous n'y comprenez rien, que ça vous saoule, que vous n'avez pas envie de temps à perdre avec ça, si vous n'avez pas envie de travailler avec un informaticien et un graphiste, bref, si vous cherchez enfin une solution simple pour customiser votre thème WordPress, un outil absolument révolutionnaire est changé, et je pèse mes mots, c'est vraiment ce qu'on appelle en anglais un « game changer ». C'est-à-dire quelque chose qui change le jeu. C'est vraiment un outil qui va changer la manière dont on travaille sur WordPress. C'est un outil qui a été sorti par la société Thrive, dont je parle assez souvent, qui fait des plugins absolument remarquables pour les blogueurs WordPress. Ça faisait longtemps qu'ils travaillaient sur un truc qui est énorme, qui va tout changer en matière de design de blog. Et il est enfin sorti. Donc, quand vous étiez blogueur auparavant, vous deviez installer un thème sur votre blog. Ça vous permettait de faire le design général de votre site. Donc, un exemple tout simple, vous aviez par exemple un blog à deux colonnes, sidebar à droite. Donc ici, par exemple, l'article 1, en dessous l'article 2, en dessous l'article 3. Là, un pied de page avec un lien vers le contact, la politique de confidentialité et vos conditions générales de vente. Et puis là, à droite, on met souvent une petite présentation, voire une photo, pourquoi pas. On met quelques mots de description, on met les liens vers les réseaux sociaux. Et puis là, éventuellement, je ne sais pas moi, un lien vers un truc d'inscription, etc. Et puis en haut, il y a un menu genre formation, contact, page à propos, machin. Donc ça, c'est vraiment le truc classique. Et donc pour ce faire, le plus souvent, on installait un thème. Le souci, c'était quand on voulait le personnaliser, quand on voulait vraiment avoir quelque chose d'adapté à son besoin, eh bien, il fallait plonger dans le code. Or, le souci, c'est que la plupart des blogueurs, c'est pas des codeurs. La plupart des blogueurs, c'est des entrepreneurs en ligne qui ont des idées, mais c'est pas forcément des techniciens qui savent coder, qui sont informatiques. Et moi, j'avais ce problème. Ce que je faisais, c'est que j'achetais des thèmes payants. À l'époque, je contactais des informaticiens, des codeurs, et je leur disais, voilà, j'aimerais ceci, j'aimerais cela. Et donc, les mecs, ils rentraient dans le code, ils faisaient leurs petites modifications et ils arrivaient à me faire le truc un peu dans le design que je souhaitais. Le problème avec cette approche, c'est que déjà, c'est un coût parce qu'il faut faire travailler des prestataires. Et puis, le problème avec cette approche, c'est que vous êtes constamment avec des soucis de mise à jour. À chaque fois qu'il y a un nouveau plugin, il y a un conflit. À chaque fois qu'il y a une évolution de WordPress, il y a un nouveau petit bug qui apparaît. Donc, vous êtes obligé à nouveau de contacter votre codeur pour qu'il vous fasse encore des modifications, machin. Bref, vous passez votre temps à échanger avec votre développeur. Ça vous prend du temps, ça vous coûte de l'argent. Donc moi, ce que j'avais vite décidé, c'était d'arrêter ça et d'arrêter de travailler avec des développeurs, donc de rester le plus proche possible du thème. Et aujourd'hui, c'est la solution que j'ai sur Traffic Mania. Je suis le plus proche possible du thème. C'est-à-dire que j'utilise un thème qui s'appelle Focus, alors qui est plus disponible sur le marché maintenant, et que j'ai vraiment laissé dans sa version la plus proche de la base. C'est-à-dire que j'ai changé la couleur, j'ai mis mon rouge Traffic Mania, j'ai mis mon logo, en gros, et c'est tout. Et j'ai rien changé d'autre pour arrêter d'être emmerdé avec les mises à jour, avec les conflits, les bugs d'affichage, les machins, ça me saoule, c'est vraiment de la perte de temps. Le problème, c'est, il y a quand même des gens qui veulent avoir des blogs hyper design, etc. Et donc, soit auparavant, il fallait se mettre dans le code et c'était long et c'était compliqué et on n'y comprenait rien, soit il fallait travailler avec un développeur et c'était cher. Donc là, ThriveTheme, ils ont sorti un truc qui s'appelle le ThriveTheme Builder. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui change le monde du design. Et franchement, les gens qui font du développement WordPress par rapport au design, il faut qu'ils réfléchissent vraiment à l'évolution de leur métier parce que ça change beaucoup de choses. Ça permet de personnaliser son thème sans coder, simplement en faisant glisser les éléments à la souris. Si vous êtes familier de Traffic Mania,
vous savez qu'il y a un outil dont je parle souvent, qui est un autre outil de ThriveTheme qui s'appelle Architect. C'est un plugin, Architect. Et Architect, ça permet de faire des pages. Ça permet de faire des pages. Par exemple, vous voulez faire une jolie page de vente design. Avec le plugin Architect, c'est très facile. Vous prenez votre souris, vous faites glisser les éléments. D'ailleurs, il y a un article de démonstration d'Architect sur le blog Traffic Mania. Vous trouverez le lien en description. Et donc, avec votre souris, vous faites glisser les éléments, vous mettez votre compte à rebours, vous changez une couleur, vous changez une police, vous mettez une photo, vous changez le design, vous insérez des témoignages. Bref, vous pouvez faire de la mise en page très très facilement. Mais c'était juste sur les pages, c'était pas sur l'ensemble du blog. Et donc, le truc qu'ils ont fait là chez ThriveTheme, qui va tout changer, c'est qu'en gros, ils ont fait Thrive Architect, mais pour l'ensemble du thème WordPress. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec cet outil, vous n'êtes plus obligé de rentrer dans le code. Vous prenez votre souris, vous faites glisser les éléments, vous choisissez votre couleur, vous choisissez votre police, vous définissez vos largeurs, vos longueurs, vos marges, votre design, les éléments qui apparaissent, etc., etc. Tout ce qui auparavant nécessitait des grosses compétences techniques, qui nécessitait de plonger dans le code, n'existe plus grâce à cet outil. Donc, si aujourd'hui vous êtes en phase de démarrage de blog et que vous ne savez pas quel thème WordPress choisir, je vous conseille d'aller quand même jeter un coup d'œil sur cet outil. Donc, le lien vers la page de vente de cet outil est juste en dessous. Donc, c'est un lien affilié. Moi, je suis affilié ThriveTheme. J'ai aucun problème à le dire parce que ce sont des produits que j'utilise quotidiennement et qui sont vraiment des produits très, très qualitatifs. Je veux dire, sur le marché, il n'y a pas vraiment beaucoup de plugins. Enfin, si, il y a plein de plugins, mais voilà, les plugins de Thrive, c'est vraiment, vraiment du très, très bon matos. Alors, au jour où j'enregistre cette vidéo, cet outil, il est uniquement disponible en vente dans leur espace abonnement. Donc, quand vous êtes abonné chez ThriveTheme, vous avez droit à tous les produits. Donc, vous aurez tous les autres produits, tous les autres plugins qui sont vraiment cool. Chez ThriveTheme, il y a vraiment, vraiment des plugins qui sont cool. Et vous pourrez personnaliser votre blog sans avoir besoin de plonger dans le code, sans avoir besoin de faire appel à un développeur, simplement en prenant votre souris, en amenant les éléments et en faisant votre design, en faisant glisser les éléments et boum, votre thème ressemblera à ça. Ils ont mis des mois et des mois et des mois à créer cet outil. Il est enfin sorti, on l'attendait depuis longtemps. C'est quelque chose qui va vraiment changer la vie des gens qui font du web design puisque en gros toute la partie code s'envole quoi. Donc on peut vraiment maintenant se concentrer sur le branding, sur la marque, sur le design, sur l'image plutôt que sur la partie technique. Donc si vous êtes en train d'installer un nouveau thème, si vous êtes en train de choisir votre thème, allez voir cet outil et vous verrez à quel point c'est un outil qui est puissant. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter de Traffic Mania, chers amis, car vous pourrez à ce moment-là recevoir votre formation en trafic gratuite. Si vous êtes en démarrage de blog, vous aurez besoin de trafic. Cette formation d'une heure qui est complète va vous montrer comment y arriver. Et vous recevrez en plus des astuces exclusives par email. Voilà, merci beaucoup et à bientôt.